Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de révision par flashcard et petite nouveauté, j'ai décidé suite à plusieurs messages de votre part de faire des révisions uniquement avec l'aide de l'intelligence artificielle bien sûr pour rectifier le verso des flashcards afin qu'elles rebondissent sur des questions pour vérifier si j'ai bien compris l'information. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires si ça vous convient comme ça, sinon on verra quand même pour mettre de côté l'IA les week-ends. Prêt c'est parti. C'est quoi un glut de 4 Oh glut 4. Glut 4. Je sais pas du tout ce que c'est. Euh, glut de 4, c'est pas gluten, mais je sais pas du tout si c'est en lien avec le glucose ou avec le glutation... je sais pas. Donc passons à la vérification. C'est quoi un glut de 4 Le glut 4 Glucose transporteur type 4 est un type de protéine transporteur de glucose spécifique aux cellules musculaires et adipeuses qui facilite le transport du glucose du sang vers l'intérieur de ces cellules. Imaginons le GLUT4 comme un taxi spécialisé qui attend le signal pour aller chercher le glucose dans le sang et le déposer à l'intérieur des cellules musculaires et adipeuses. Ce taxi est unique car il n'entre en action que lorsque l'insuline, l'hormone régulatrice de la glycémie, lui donne le feu vert. Lorsque tu manges et que ton niveau de glucose sanguin augmente, l'insuline est sécrétée par le pancréas et invite le LUT4 à se déplacer vers la surface de la cellule pour y transporter le glucose. Cela aide à réduire le niveau de glucose dans le sang et à fournir de l'énergie aux cellules qui en ont besoin. Le principe de clé-serrure s'applique ici dans la manière dont l'insuline interagit avec ses récepteurs sur la surface des cellules. L'insuline, la clé, se lie à son récepteur, la serrure sur la cellule, déclenchant une cascade de signaux à l'intérieur de la cellule qui fait remonter les transporteurs GLUT à la surface cellulaire prêts à transporter le glucose. Le terme GLUT provient de glucose transporter, ce qui indique clairement sa fonction principale, le transport du glucose. Le chiffre 4 fait simplement référence à son ordre de découverte parmi les différents types de transporteurs de glucose. Si on devait imaginer une version jeu vidéo de la biochimie, le GLUT-4 serait un peu comme un personnage qu'on doit débloquer avec une monnaie spéciale, l'insuline. Sans cette monnaie, impossible d'accéder à certaines zones, les cellules musculaires et adipeuses, pour déposer notre précieux cargo, le glucose. Dans le contexte médical, la régulation et la fonction du GLUT-4 sont cruciales pour la gestion du diabète, en particulier le type 2. Les médicaments qui améliorent l'action de l'insuline ou la sensibilité des cellules à l'insuline peuvent augmenter l'efficacité du GLUT-4, aidant ainsi à contrôler les niveaux de glucose dans le sang. Le GLUT-4 joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre énergétique des cellules musculaires et adipeuses en répondant à l'insuline pour transporter le glucose du sang vers l'intérieur de ces cellules, soutenant ainsi notre métabolisme énergétique et la régulation de la glycémie. Comment le GLUT-4? Est-il activé pour transporter le glucose dans les cellules euh, Du coup, le GLUT4 est activé par l'insuline. Exactement, tu as tout à fait raison. Le GLUT4 est activé par l'insuline, qui agit comme un signal permettant au GLUT4 de se déplacer vers la surface des cellules musculaires et adipeuses pour faciliter le transport du glucose du sang à l'intérieur de ces cellules. C'est un mécanisme clé pour maintenir l'équilibre de la glycémie et fournir de l'énergie aux cellules. Bravo pour ta réponse. Si tu as d'autres questions sur la biochimie, la nutrition ou un tout autre sujet, n'hésite pas à demander. Oui, je voudrais que tu abordes rapidement les autres protéines qui sont spécifiques au transport du glucose, s'il te plaît. En plus du GLUT4, il existe plusieurs autres types de protéines transporteuses de glucose, chacune ayant des rôles spécifiques dans différents tissus de l'organisme. Parmi eux, on trouve le GLUT1, Glut 2, Glut 3 et Glut 5, pour n'en nommer que quelques-uns. Détails et approfondissement. Glut 1, présent dans presque tous les tissus, il assure le transport de glucose nécessaire aux fonctions cellulaires basales. Pensez à lui comme à un transporteur de glucose tout terrain, toujours là pour assurer l'approvisionnement de base. Glut 2, localisé dans le foie, le pancréas, l'intestin et les reins, il joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie le stockage du glucose et la réabsorption. C'est un peu le gros porteur qui gère les grandes variations de glucose. GLUT3, trouvé principalement dans le cerveau, il fournit du glucose à cet organe gourmand en énergie. Vous pourriez le voir comme le livreur express spécialisé dans les livraisons urgentes au cerveau. GLUT5, spécialisé dans le transport du fructose plutôt que du glucose, il se trouve principalement dans l'intestin considérez-le comme le spécialiste du fructose, un transporteur niche pour un type de sucre spécifique. Bien que le principe, le principe de clé serrure soit moins directement applicable à la variété des glutes, car leur activation ne dépend pas d'un signal hormonal comme l'insuline pour le glute 4, chaque glute a une affinité spécifique pour son substrat, glucose ou fructose, ce qui peut être vu comme une spécificité de clé serrure au niveau du substrat. Gagner de glucose transporteur indiquant leur rôle dans le transport du glucose, avec le chiffre différenciant chaque type en fonction de sa découverte et de sa fonction spécifique. Si les glutes étaient des personnages dans un jeu vidéo de gestion, chaque type aurait sa propre quête et spécialité. Glut 1 s'occuperait des tâches quotidiennes, Glut 2 gérerait les ressources lors des grands événements, Glut 3 s'assurait que le boss, le cerveau, reste content. Et GLUT5 serait en charge de missions spéciales concernant le fructose. La compréhension des différents GLUT a des implications importantes en médecine, notamment pour le traitement du diabète, les troubles métaboliques et les maladies neurodégénératives où la régulation du transport du glucose peut jouer un rôle crucial. Les protéines transporteuses de glucose ou GLUT sont essentielles pour la distribution et l'utilisation du glucose dans le corps. Chaque GLUT a sa spécialité. Contribuant à la diversité des fonctions métaboliques et répondant aux besoins énergétiques de différents tissus. Quel glute est principalement responsable du transport de glucose au cerveau Ok, hyper intéressant tout ça. Euh, alors, le glute qui est responsable de, euh, du transport du glucose dans le cerveau, c'est le glute 3, comme tu l'as mentionné, et aussi le glute 1, vu que tu as dit qu'il agit. Euh, euh, sur toutes les fonctions, du, euh, fo toutes les fonctions pardon, euh, cellulaires basales C'est une excellente réponse. Le GLUT3 est en effet principalement responsable du transport du glucose au cerveau, grâce à sa haute affinité pour le glucose, ce qui lui permet d'assurer l'approvisionnement énergétique constant nécessaire à cet organe très actif. Le GLUT1 joue aussi un rôle important en étant largement distribué. Y compris dans la barrière hémato où il assure une fonction de base dans le transport du glucose vers le cerveau. Ta compréhension des rôles complémentaires de ces transporteurs illustre bien la façon dont différents systèmes travaillent ensemble pour répondre aux besoins énergétiques du corps. Bravo pour ta réponse précise et nuancée. Ok, donc euh, il nous manque cette glutes, 7 transporteurs de glucose à aborder. Qu'on verra, euh, ne vous en faites pas dans de prochaines flashcards. Donc euh, passons à la flashcard suivante, c'est parti C'est quoi l'histamine Ok, donc nouvelle flashcard à mettre dans le deck. Euh, Qu'est-ce que sont les stamines euh, Pardon, l'histamine, à ne pas confondre avec les stamines. Alors l'histamine, euh, c'est euh, une molécule amine naturelle. Euh, qui est présente qui est présente dans l'estomac et dans le cerveau et il y a aussi un autre endroit que j'ai plus en tête et euh, son rôle hyper important c'est euh, dans la signalisation du système immunitaire euh, c'est pour ça qu'on en entend souvent parler lors des allergies après je connais vraiment pas le sujet euh, qu'est-ce que je pourrais dire là dessus je me rappelle avoir entendu qu'il y avait des récepteurs à l'histamine mais euh, je ne les connais pas du tout. Donc euh, c'est le moment d'en savoir plus. Passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi l'histamine L'histamine est une molécule organique impliquée dans les réponses immunitaires locales, agissant comme un médiateur dans les processus inflammatoires et allergiques. Elle joue également un rôle dans la régulation de la physiologie de l'estomac et agit comme un neurotransmetteur. Imagine l'histamine comme un agent d'alerte dans un jeu vidéo, qui signale quand une zone est envahie par des intrus. Allergènes, par exemple. Une fois libérée par les cellules immunitaires, comme les mastocytes, elle déclenche une série d'actions. Dilatation des vaisseaux sanguins pour permettre aux autres agents immunitaires d'accéder plus facilement au site de l'invasion, augmentation de la perméabilité des vaisseaux, rendant la zone plus accessible, et stimulation de la sécrétion d'acide dans l'estomac. Dans le cerveau, elle participe à la régulation de l'éveil et de l'appétit. L'histamine agit en se liant à des récepteurs spécifiques d'histamine H1, H2, H3, H4 présents sur divers types de cellules selon un principe de clé-serrure. Cette liaison déclenche les différentes réponses physiologiques et pathologiques associées à l'histamine en fonction du type de récepteur activé. Le terme histamine dérive du grec histos signifiant tissu et amine en raison de sa structure chimique contenant un groupe amine. Elle a été nommée ainsi car elle a été isolée pour la première fois à partir de tissus animaux et est une amine biogène. Si l'histamine était un personnage de jeu vidéo, elle serait ce personnage un peu trop zélé qui, en voulant protéger sa zone, déclenche parfois des alarmes inutiles, entraînant une grosse pagaille. Pensez aux réactions allergiques. En médecine, comprendre le rôle de l'histamine est crucial pour traiter les allergies, les réactions inflammatoires et certains troubles gastriques. Les antihistaminiques, par exemple, bloquent l'action de l'histamine et sont utilisés pour atténuer les symptômes allergiques. L'histamine est une molécule clé dans de nombreux processus physiologiques et pathologiques, notamment les réactions inflammatoires et allergiques. Sa compréhension et sa gestion sont fondamentales dans le traitement de diverses conditions médicales. Quel est le rôle des antihistaminiques dans le traitement des allergies euh, Alors, euh, dans les allergies, du coup, les antihistaminiques euh, joue un rôle comme tu l'as dit en bloquant les histamines euh, ce qui fait que du coup le système immunitaire réagit moins et donc euh, diminue les symptômes exactement tu as parfaitement résumé le rôle des antihistaminiques en bloquant les récepteurs d'histamine ces médicaments empêchent l'histamine de se lier et d'activer ces récepteurs ce qui réduit la réaction inflammatoire ou allergique cela aide à diminuer les symptômes tels que les démangeaisons L'éternuement, l'écoulement nasal et l'inflammation, rendant les réactions allergiques beaucoup plus gérables. Très bien vu. Ah, mais ok, j'avais pas compris ça moi. Je savais pas que c'était euh, euh, en bloquant les récepteurs que les anti-histaminiques agissaient. Je comprends mieux du coup. Euh, Parle-moi rapidement des aliments qui réduisent euh, les symptômes allergiques, comme par exemple en réduisant les libérations d'histamine. Euh, je sais que le thé vert et les champignons ont un effet sur ça, donc euh, dis-moi un peu plus s'il te plaît. Certains aliments peuvent contribuer à réduire la libération d'histamine dans l'organisme, aidant ainsi à atténuer les symptômes allergiques. Ces aliments comprennent les légumes frais, les fruits pauvres en histamine, comme les pommes et les poires, et les sources de protéines fraîches, comme le poulet ou le poisson frais. Dans la quête pour maintenir les symptômes allergiques sous contrôle, pense à ton alimentation, comme à une carte dans un jeu de stratégie. Certains territoires, aliments, sont plus bénéfiques et renforcent tes défenses, tandis que d'autres peuvent déclencher des attaques, symptômes allergiques. Voici quelques aliments et pratiques alimentaires qui peuvent t'aider. Légumes frais. La plupart des légumes frais sont faibles en histamine. Ils sont comme des alliés de santé dans ta quête, aidant à combattre l'inflammation. Fruits à faible teneur en histamine, les pommes et les poires sont comme des boucliers qui ne provoquent pas d'augmentation de l'histamine. Protéines fraîches. Le poulet et le poisson frais, consommés rapidement après l'achat, sont comme des guerriers qui ne contribuent pas à l'arsenal d'histamine de l'ennemi. Grains entiers. Les grains entiers peuvent agir comme des fortifications, fournissant une base solide sans encourager la production d'histamine. Aliments riches en quercétine. La quercétine est un antioxydant qui peut agir comme un inhibiteur naturel de l'histamine. Les aliments comme les oignons, les pommes et le raisin sont riches en quercétine et peuvent être vus comme des archers à distance, empêchant les histamines de s'approcher. Hache humour et engagement. Si gérer l'histamine était un jeu vidéo, choisir ces aliments serait comme construire la meilleure défense pour ton château, tout en gardant les catapultes, aliments riches en histamine, hors de portée. Dans la pratique, adopter un régime faible en histamine peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant de troubles liés à l'histamine, comme l'intolérance à l'histamine. Cela peut aider à réduire les symptômes tels que les maux de tête, les troubles digestifs, la congestion nasale et l'urticaire. Conclusion, incorporer des aliments qui réduisent la libération d'histamine peut jouer un rôle dans la gestion des symptômes allergiques en complément d'autres traitements. Comme toujours, une approche équilibrée et personnalisée est essentielle. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao.